Et bonjour, mon nom c'est Lucille Collard. Je suis conseillère scolaire dans Rideau-Vanny depuis déjà 8 ans. Et pour moi, la collaboration de mon conseiller municipal, c'est super important. Mathieu a toujours été là, a été un allié pour régler les enjeux dans le quartier, pour aider la communauté. C'est vraiment un gars qui est persévérant dans les suivis, puis ça donne des résultats. Alors, on vote Mathieu Fleury. We love working with Mathieu. Mathieu, he helps us when we have an issue, and he will support us. When we call him, he's there for us. Hi, my name is Ranjeev Sharma. I'm the owner of Cadman's Montreal Bagels on Montreal Road and Vanier Parkway. I'm endorsing Mathieu Fleury to be re-elected for this next upcoming election for the City of Ottawa. Mathieu has been a great leader in his community. He has worked very hard for all the people and all the businesses that are in Vanier and in his riding, basically. So, thank you very much. Bonjour, je m'appelle Marguerite Beaulieu et je suis une résidente de Vanier. Ce que j'aime de Mathieu, c'est qu'il est toujours là pour nous aider. Peu importe le problème, il nous rencontre, on s'assoit, on discute. Une façon tellement positive d'aborder des problèmes puis trouver des solutions. Salut, je m'appelle Catherine Fortin-Lefebvre et j'habite dans la Côte-de-Sable avec mes deux enfants. J'apprécie toujours comment Mathieu se rend disponible pour discuter des enjeux de la communauté puis bien écouter pour pouvoir appliquer cette rétroaction. Hi, my name is Joyce and this is my community of Strathcona Heights. I wanted to talk for a minute about Mathieu Fleury and what I have found and learned about him over the past couple of years as a counselor is that he has grown. He's taken the time to learn things that he didn't know about, and he's coming to understand the issues that surround people like myself who live in auto community housing, who live on a disability pension, and who live in subsidized housing. And so he has a much deeper understanding of the challenges of poverty and housing insecurity, and he's been helping us in many ways.